Donc là maintenant, nous avons le numéro 101. C'est un poulain qui est né le 21 avril. C'est un vendangeur sur Dialia par quart de vin. C'est normal de mettre vendangeur sur un quart de vin. Mais bon, elle est facile. Elle est facile. Et il nous est présenté par Monsieur Cerruti de l'écurie Cerdeval. Donc, c'est une, regardez, une souche ultra vivante avec Diala qui s'était placé plusieurs fois en obstacle à Hauteuil 5e, mais qui après, bien sûr, a donné l'attitude, qui est à l'origine de l'excellent Vanilla Crush, Usla, Vesley, Radmaré. Voyez-vous, voyez-vous ce qu'est cette jument, cette mère, cette famille, ce poulain. Donc Diala, présenté par l'écurie Cerdeval, estuaire, donc vendangeur sur une mer par quart de vin. Qui l'eût cru ? Ils l'ont fait exprès. Et donc c'est toute la souche, regardez un tout petit peu plus bas, ou regardez le cheval. Et écoutez-moi, c'est la souche du Ucelo 2, l'emblématique Ucelo 2. Ucelo 2, encore un quart de vin. 20 victoires en obstacle, le grand Steve de Paris, rappelez-vous de tout ça. Rendez-vous compte, dans le concours, nous avions parmi les mâles tout de suite deux proches parents, deux gagnants de grand Steve différents. Ucelo, first goal tout à l'heure. Donc là, je rappelle, estuaire présenté par l'écurie Cerdeval. C'est un fils de vendangeur sur une mer Diala par quart de vin, mais une mère qui n'est pas une mère comme les autres, puisque c'est une mère qui a déjà produit beaucoup. Elle a produit l'attitude, une jument classique,